Donc, voici maintenant le moment venu de vous présenter notre conférencière de ce matin, qui est détentrice d'un baccalauréat en enseignement secondaire, d'une maîtrise en études internationales et d'une formation de deuxième cycle en évaluation de programme. Audrey Auclair est actuellement conseillère pédagogique à la réussite au cégep de Lévis. Avant de faire le saut dans le monde collégial en 2021, Audrey a travaillé cinq ans à l'Université Laval. Pour un projet de renforcement du dispositif de formation agricole au Mali afin de déployer des outils et des processus d'évaluation et d'actualisation des programmes, ainsi que d'évaluation des enseignements par les étudiantes et les étudiants. Je vous souhaite un bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci, Nicole. Bonjour, tout le monde. Euh... Donc, je suis en mode de partage d'écran. Est-ce que ça fonctionne bien? Parfait. Excellent. Euh, donc, Power BI, donner vie euh, aux données pour éclairer les décisions pédagogiques. Alors, euh, juste une petite, euh, un, un petit amorce de gestion des attentes, en fait, pour euh, débuter. Il ne s'agit pas du tout d'un atelier main sur les touches, ce n'est pas du tout une info pub. Je ne fais pas la démonstration de toutes les fonctionnalités de Power BI. Euh, mais en toute humilité, je viens vous présenter finalement euh, bien, un partage de pratique. Euh, Qu'est-ce qui nous a mené au choix Power BI? comment s'est opérée cette transition-là chez nous, euh, puis quelques exemples aussi de ce qu'on fait pour traiter les données avec euh, Power BI, puis une petite, euh, ben, un petit regard réflexif finalement, en rétrospective, qu'est-ce euh, qu euh, qu que ça nous aura apporté, euh, puis euh, un, un regard aussi euh, tourné vers l'avenir. Euh, comme Nicole euh, l'a mentionné finalement dans ma présentation, euh, ben, je ne suis pas une fille de chiffres, je suis une fille de données, par exemple, je me suis beaucoup intéressée aussi. Euh, euh, aux données qualitatives, tout ça. Puis, euh, je ne suis pas une fille des chiffres, mais je travaille euh, de, de pair avec notre analyste, François. Euh, donc, c'est ça. C'est juste un peu pour, pour, pour placer les attentes. Euh, également, ben, mon propos aujourd'hui, ce n'est pas du tout que Power BI va permettre d'améliorer la réussite étudiante ou la qualité des programmes. Mais par contre, Power BI va vous aider à organiser vos données. Euh, pour ben, peut vous aider, en fait, si vous le souhaitez, à organiser vos données pour alimenter les réflexions, euh, soutenir les décisions, puis éventuellement, finalement, contribuer euh, à renforcer la qualité des programmes euh, ou la réussite des étudiants. Donc, euh, petit historique et, et contexte. En fait, euh, au Cégep de Lévis, c'est euh, en 2016 que nos premiers tableaux de bord euh, ont vu le jour. Euh, ces tableaux de bord-là avaient euh, une trentaine de pages, là, donc ils présentaient euh, des tableaux, des graphiques avec des données ventilées euh, de, de différentes manières. Euh, puis, quelques années plus tard, dans le fond, il y a eu l'adoption de notre politique institutionnelle de gestion des programmes qui venait poser les jalons de l'évaluation continue des programmes. Euh, quelques années plus tard, euh, on a travaillé, François et moi, à la refonte des tableaux de bord avec euh, un gros chat là à Catherine Paquin-Boivin, qui est dans la, la salle virtuelle. Donc, avec l'aide de Catherine, en fait, qui nous a nourris sur euh, leur expérience au euh, Collège Marie-Victorin, finalement, euh, pour faire des, des tableaux un petit peu plus épurés, euh, un peu plus parlants euh, sur le plan visuel. Et euh, parallèlement à ça, on a continué aussi à travailler euh, euh, sur euh, le développement d'outils de, de collecte euh, avec euh, un comité finalement qui avait été euh, nommé euh, un comité de validation finalement pour développer des outils de collecte euh, auprès des professeurs, des étudiants, des diplômés et des employeurs euh, donc euh, et ces outils là avaient été nommés prévus par le, par la PGP qui posait les jalons de l'évaluation continue des programmes euh, et ont été prêts et adoptés finalement à l'hiver 2022, ce qui fait que c'est seulement à l'automne 2022 qu'on était prêt euh, à euh, démarrer finalement l'évaluation continue des programmes. Euh, et on allait traiter un, un nombre sans précédent finalement de données. Euh, puis, moi, c'est à ce moment-là que je suis arrivée sur ma chaise de CP Réussite euh, qui avait comme mandat spécifique aussi de contribuer au déploiement d'évaluation de continue des programmes. Dans le réseau, euh, en parallèle, il y a aussi eu un groupe d'apprentissage euh, des Repstats euh, qui s'est mis sur pied euh, au moment où j'arrivais. Donc, c'était comme un peu un concours de circonstances, euh, vraiment une conjoncture qui m'a amené à m'intéresser finalement à Power BI, puis en plus à, à, à ce que, bien, que cet intérêt-là soit facilité justement du fait qu'il y avait une communauté à laquelle j'appartenais qui s'y penchait. Donc, qu'est-ce qui a mené finalement euh, à notre choix, de, 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 bien, à notre intérêt envers Power BI? On avait justement nos tableaux de bord actualisés qui étaient beaucoup plus épurés. Donc, évidemment, ça faisait en sorte qu'en en allégeant, bien, il y avait... Une agrégation des données qui n'est pas toujours souhaitable pour les gens du collégial. Finalement, on sait que les populations A, population B ont certains enjeux différents. Euh, pour les gens qui ne sont pas du, du monde collégial, population A, donc, c'est nos jeunes qui arrivent directement du secondaire. Population B, c'est ceux euh, qui ont déjà un passé collégial. Il y avait aussi des enjeux déontologiques, finalement, de s'assurer du respect de la confidentialité pour nos répondants, qu'on ne soit pas en mesure de retracer avec une ligne euh, qui sont nos personnes, finalement, qui, qui répondaient puis qui se positionnaient d'une certaine manière. Euh, et puis euh, aussi, ben, de, dans le fond, c'est qu'on allait vraiment traiter, justement, plusieurs sources de données euh, du fait qu'on faisait des, des collectes de données perceptuelles auprès des employeurs, auprès des diplômés, des étudiants et des profs. Donc, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui était intéressant avec Power BI finalement? C'était l'interactivité euh, permise par, euh, par la plateforme, donc la possibilité justement de ventiler nos, nos populations A et B, mais aussi euh, de, de, les, euh, de les ventiler par sexe, parce que parfois on sait que dans certains programmes, il y a, on, on observe certaines, bon, il y a certaines hypothèses qui sont émises, donc on veut pouvoir forer ces hypothèses-là. Ça nous permettait aussi de donner accès à des données euh, agrégées euh, en cachant finalement les sets de données en dessous, donc de, en s'assurant que, euh, que les, les utilisateurs avaient accès aux données puis pouvaient traiter les différentes hypothèses, pouvaient forer leurs di différentes hypothèses, mais sans toutefois voir qu'est-ce que chacun des répondants, chacune des répondantes euh, avait indiqué justement pour, pour qu'on puisse protéger euh, les personnes qui, qui remplissent euh, nos questionnaires. Euh, puis, ben, ça permet aussi, une fois qu'on a développé euh, une, euh, la, la, la structure de notre rapport dans Power BI, on peut facilement changer la source. Donc, euh, ça venait accélérer euh, puis faciliter le, le travail, justement, comme on a euh, ben, une trentaine de programmes. Donc, euh, on collecte des données à chaque année. Donc, on, on peut euh, ensuite facilement changer euh, la, la source derrière puis venir euh, actualiser, finalement, notre rapport. Euh, donc, cette transition-là vers Power BI, euh, ça allait démarré en octobre 2022, finalement, avec le groupe d'apprentissage des RevStats. Euh, C'était un certain nombre de modules sur Microsoft Learn qui avaient été, euh, qui avaient été identifiés puis ciblés. Puis, on avait euh, des rencontres euh, assez régulières, finalement, pour, euh, pour le, le faire. Donc, on avait des moments bloqués à notre agenda. Euh, en communauté, mais chacun de notre côté pour justement progresser, euh, échanger nos idées, euh, poser nos questions entre nous. En décembre et janvier 2023, mon collègue François, euh, notre analyste, euh, s'est aussi initié à Power BI, puis euh, il a créé de son côté nos tableaux de bord institutionnels, finalement, parce que c'est François qui est responsable de, de la production des tableaux de bord annuels. Donc, euh, il a aussi embarqué dans le train. Euh, donc, en février 2023, on lançait nos tableaux de bord dans Power BI. Euh, puis, on créait aussi, euh, de, ben de mon côté, pour le traitement des, euh, des résultats de l'évaluation continue des programmes. Euh, ben C'est ça, je suis venue pour, euh, pour créer finalement nos sommaires visuels pour, qui pourraient ensuite être utilisés par euh, les conseillers pédagogiques euh, puis les équipes programmes. Et euh, au printemps 2023, ben, il y avait déjà des animations euh, sur le terrain par l'équipe de, de CP euh, auprès des équipes programmes pour utiliser à la fois les nouveaux tableaux de bord, mais aussi les données de l'évaluation quantité de des programmes. Pourquoi je vous présente ce parcours-là? Ben, en fait, il y a quelques éléments clés à retenir. Euh, ben, en fait, c'est la possibilité d'être autodidacte euh, lorsqu'on euh, lorsqu s'intéresse à Power BI. Euh, deux têtes valent mieux qu'une aussi. Euh, C'est incroyable le nombre de fois où euh, moi, j'ai posé des questions à François, qu'on a regardé ensemble, qu'on s'est cassé la tête sur comment on pourrait faire ça, euh, mais vice-versa, euh, puis euh, et, et également avec euh, les collègues euh, Revstat. Euh, un déploiement est possible en quelques mois, si on, si on le veut. Tout à l'heure, je vous présenterai les, les conditions gagnantes, justement, pour, euh, pour que ça puisse se concrétiser. Puis, euh, la valeur ajoutée, en fait, d'utiliser Power BI, c'est vraiment toute l'analyse qui va être faite, puis l'animation qu'on va en faire, l'utilisation, finalement. Le, les plus beaux des tableaux de bord ou les plus pertinents des tableaux de bord euh, n'auront aucun impact s'il n'y a pas une analyse rigoureuse, puis une animation qui en est faite pour nourrir les réflexions. Euh, donc, euh, évidemment, je vous ai présenté là, euh, certains éléments, tu sais, ça a l'air tout beau Power BI, mais il y a quand même euh, quelques petits écueils à éviter. Euh, il peut y avoir certains enjeux de licence. Aux dernières nouvelles, pour les cégeps qui avaient la, la licence euh, Microsoft Education, la licence de Power BI est incluse, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, donc, nous, de notre côté, on a dû euh, faire un peu de gymnastique euh, lors de la première année de déploiement pour, euh, pour voir, bon, qui... Euh, à qui on achète des licences, comment on les utilise, comment on peut s'assurer quand même que nos équipes-programmes ont accès aux différentes données, et ainsi de suite. Donc, euh, donc, il y a quand même ce, ce, cet aspect-là à considérer avant de se lancer. Euh, L'expertise dans Power BI est un peu moins fréquente que dans Excel. Donc, euh, c'est sûr que si on souhaite mettre ça de l'avant, il faut s'assurer d'avoir plusieurs personnes sur place qui sont en mesure d'assurer une transmission euh, des connaissances en cas de besoin. Euh, puis, ben, en tout cas, de mon côté, ben, j'imagine que les gens qui travaillent beaucoup dans Excel l'ont vécu aussi, là, euh, mais dans Power BI, là, des fois, c'est on se casse vraiment la tête. Avec un, un seul détail, là, euh, par exemple, on n'a pas changé le, le nom de la session euh, qu'on avait dans notre, dans, notre, dans notre rapport de l'année précédente, donc quand on importe notre nouvelle source, il y a un petit, un petit détail à changer, qui a changé, puis là, tout bug, donc c'est de retrouver euh, où se situe l'erreur. Euh, voilà. Nicole, je pense qu'on pourrait peut-être prendre un moment s'il y a des questions jusqu'à présent. Pour le moment, il n'y a pas de questions, mais on peut peut-être prendre de 30 secondes pour voir s'il y a des gens qui veulent poser des questions dans le module QR. Sinon, bon, on pourra, euh, on pourra tu pourras continuer ta présentation. Pour le moment, je ne vois pas de questions. Alors, tu peux continuer, c'est très clair, Audrey. Parfait. Oui, puis là, excusez-là, je, je vais vite, clairement, je suis un peu stressée, un peu fébrile, là, de vous présenter ah, tout oui. ça, puis euh, je voulais m'assurer de ne pas manquer de temps. Donc, euh, je vais retirer une petite bûche pour la suite de euh, <laughs> la bien. présentation. Merci. Euh, donc, un petit coup d'œil sur nos processus à l'interne. On a deux services qui relèvent de la direction des études qui utilisent Power BI. Donc, le SPDP, qui est le service des programmes et du développement pédagogique, qui regroupe, qui regroupe notamment l'équipe de personnes conseillères pédagogiques. Puis, on a le SCOS, qui est le service du cheminement et de l'orientation scolaire, euh, qui s'occupe, comme, comme son nom le dit, de, du cheminement étudiant. Donc, euh, au SPDP, c'est nous qui déployons. L'ensemble des outils de, de l'évaluation continue des programmes, donc les collectes de données auprès des professeurs, des étudiants, des employeurs et euh, des diplômés. Euh, donc, à la suite de cette collecte-là qui s'effectue à l'automne de chaque année, en fonction d'un calendrier qui est établi sur six ans, sur un cycle de six ans, euh, on produit les sommaires visuels de l'évaluation continue des programmes. Parallèlement à ça, il y a le, le SCOS, finalement, qui va se baser sur des données dans Clara et dans PCEP pour produire nos tableaux de bord institutionnels. Ces différents outils-là sont ensuite analysés par, euh, de manière préliminaire par une, une personne conseillère pédagogique, finalement, qui va ensuite contextualiser ces analyses avec euh, l'API Programme, la coordination également du comité de programme, euh, parce qu'il y a… Dans le fond, l'idée, c'est de croiser les différents regards pour être en mesure, justement, d'avoir euh, le portrait le plus, euh, euh, le plus complet possible et d'être en mesure, euh, justement, d'émettre différentes hypothèses euh, en lien avec euh, les constats qu'on va faire euh, à partir des données. Par la suite, il y a une co-animation qui s'effectue auprès du comité de programme avec euh, les CP puis euh, les coordinations de comité de programme dans une visée justement à partir des constats, d'émettre de des hypothèses explicatives pour ces différents constats-là, puis euh, aux besoins, lorsqu'il lorsqu s'agit finalement de situations qu'on souhaite améliorer, de trouver certaines pistes d'action, certaines solutions qu'on peut mettre en place. Euh, par la suite, euh, l'idée, c'est vraiment de venir cibler les actions prioritaires euh, pour, euh, pour justement venir s'incarner dans le, le plan de travail. Duquel le comité de programme va être responsable de faire euh, le suivi de la mise en œuvre. Je serai rendue à vous présenter un exemple, finalement, euh, des tableaux, le, les tableaux de bord. Donc, ça, c'est euh, François qui les a développés. Euh, J'ai anonymisé le, le programme, mais donc euh, normalement, on a une liste avec l'ensemble de nos programmes, une liste déroulante avec l'ensemble de nos programmes. Oups, excusez-moi. Puis, euh, comme vous voyez, dans le fond, on a vraiment. Euh, L'ensemble de nos indicateurs, des indicateurs de réussite qu'on a ciblés. Euh, donc, les deux premiers graphiques vont venir comparer en fonction de, euh, dans le fond, le, les, le nombre d'inscriptions au, cége au cégep et dans le réseau. Donc, euh, en termes de population A, population B, on s'appelle euh, population A sans passé collégial, population B avec un passé collégial. Donc, l'idée, c'est d'avoir les deux graphiques côte à côte, étant donné qu'il y a vraiment une différence d'échelle, c'était comme un peu. Euh, Ridicule de les mettre dans un même graphique. Donc, l'idée, c'était de les mettre côte à côte pour vraiment euh, venir voir si les tendances sont similaires. Donc, si on observe une diminution dans le réseau, est-ce que c'est la même chose chez nous? Euh, si on observe au contraire une augmentation ou une, une certaine stabilité, bien, dans le fond, l'idée, c'est de venir voir est-ce que ce qu'on observe chez nous, c'est le même phénomène qui se produit dans le réseau. Euh, par la suite, euh, en bas à gauche, dans le fond, là, on a le, le taux de réussite euh, moyen en première session qui est croisé aussi avec euh, la moyenne générale au secondaire, puis notre pourcentage d'étudiants euh, qui ont euh, 70 et moins comme moyenne générale au secondaire. Donc, on s'est vraiment, ben, avec l'aide ben, et l'inspiration de Catherine, euh, lorsqu'on a fait nos réflexions, mais aussi, on s'est vraiment basé sur la littérature pour dire, quelles quelle données seraient intéressantes à croiser pour venir expliquer certains phénomènes? Donc, euh, on sait que la, la moyenne générale au secondaire est corrélée à la... est un bon prédicteur de réussite en première session. Puis, on sait également que nos étudiants les plus vulnérables sont ceux qui ont une moyenne générale au secondaire de 70 de, et, et de moins de 70 pardon. Donc, l'idée de faire un graphique qui recoupe toutes ces informations, c'était vraiment de dire... Euh, Lorsqu'on observe qu'il y a un taux de réussite plus élevé, par exemple, que dans le réseau, est-ce que c'est parce qu'on a des étudiants qui sont plus forts? Est-ce qu'on a un taux de réussite plus élevé dans le réseau euh, malgré le fait qu'on a des étudiants qui sont euh, considérés comme plus faibles ou euh, qu'on a une plus grande proportion d'étudiants vulnérables? Donc, ça peut être intéressant justement, c'est ça, de venir. croiser toutes ces données-là, puis de, de les observer dans un même visuel pour être en, en mesure de d'émettre de, 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 nos, euh, nos hypothèses. Euh, même chose en lien avec le taux de réussite euh, 100% en première session. Donc, euh, ça, c'est la proportion finalement d'étudiants qui vont avoir réussi 100% de leur cours euh, durant leur première session. Puis, euh, la littérature dit que le taux de réussite à 100% va venir écraser finalement l'effet moyenne générale au secondaire en termes de prédicteurs de persévérance. Donc, vraiment, On trouvait que c'était vraiment deux données intéressantes à croiser justement du fait que, euh, que est-ce que nos étudiants, lorsqu'on a une proportion plus élevée d'étudiants qui réussissent euh, 100% de leur cours en première session, est-ce qu'on peut vraiment observer justement une réinscription en troisième session? Euh, si ce n'est pas le cas, quelles seraient les hypothèses qui nous permettraient d'expliquer euh, que c'est possible? c'est que ça se comporte différemment de ce que la littérature euh, nous amènerait à, à prédire, et ainsi de suite. Euh, puis finalement, on a le graphique sur le taux de, de diplomation. Finalement, pour... Euh, euh, on a la diplomation selon la durée prévue, puis euh, la durée prévue euh, plus euh, deux ans. Donc ça, c'est notre première version des tableaux de barre, 2022-2023, euh, que je vous ai mise. Euh, L'année dernière, on a ajouté finalement différentes... Euh, Différentes fonctionnalités qui n'ont ben, pas lieu d'être, étant donné que j'ai mis un seul programme lambda, finalement, là, dans, nos, dans nos exemples que j'ai anonymisé Mais dans le fond, on a la possibilité aussi, maintenant, avec des moyennes pondérées, de venir euh, regrouper certains programmes. Je donne un exemple on avait notre département de langue qui a un programme de langue, mais aussi deux double-decks qui concernent leurs étudiants. Donc, ils voulaient avoir une vue globale sur. Euh, la réussite de l'ensemble de leurs étudiants. Donc, maintenant, on peut faire ça avec, avec cette nouvelle version-là. Puis, comme je vous disais, dans le fond, un aspect vraiment intéressant de Power BI, c'est la, la, la possibilité finalement de venir, euh, de venir forer, par exemple, euh, euh, si on veut isoler les comportements de la population A, par exemple, ou la population B, ou dans certains programmes, on va souhaiter, on va dire, hey, il y a un certain on observe euh, certains éléments, on part un peu de, de, des perceptions des gens pour dire, hey, il me semble, les gars dans le programme, euh, il me semble que c'est plus difficile. Puis des fois, ben, justement, le fait de pouvoir euh, forer les données, ben, non, finalement, c'est une perception. Puis euh, ça permet justement de, 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 de se reconnecter euh, aux faits. Euh, avant que je passe peut-être au prochain visuel, je ne sais pas s'il y a des questions concernant notre tableau de bord. Il y, a, il, y a quelques, il y a trois questions qui ont été posées, euh, euh, Audrey. Elles sont oui. très différentes les unes des autres. Puis, euh, tu pourras y répondre quand tu penseras que ça vaut la peine de le faire. La première question, euh, il y a quelqu'un qui aimerait voir un exemple pratique sur la conception d'un tableau de barre avec Power BI et avec un exemple d'analyse. OK. Bon. La deuxième, elle provient de Karine, Karine Parent. Elle demande à dit, qui, est, ça peut-être été dit, mais elle s'en souvient plus, qui est le responsable de l'extraction des données et à quelle fréquence se font les mises à jour de, de, des tableaux? Est-ce que vous avez considéré une firme externe pour créer votre pipeline ou le faites-vous à l'interne? Euh, ben ça, je peux répondre euh, assez rapidement. C'est vraiment François le magicien là, pour euh, les tableaux de bord. Euh, on Dans nos opérations, dans le fond, on, ben, je ne sais pas si les, les gens le savent, là, mais la base de données à partir de laquelle on. On, on sort ces indicateurs-là, c'est la base de données PECEP, finalement, qui est mise à jour deux fois par année. Euh, mais de notre côté, dans les opérations au cégep, on a jugé que c'était pertinent de, de le sortir une fois par année, parce qu'évidemment, il, il, il y a beaucoup d'autres choses aussi euh, en parallèle. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est François, notre analyste au SCOS, qui est responsable une fois par année de sortir, de sortir nos données puis de produire les tableaux de bord pour l'ensemble des programmes. Dans le diaporama qu'on voit actuellement, il y a quelqu'un qui demande la question quel est l'effet du filtre discipline en bas oui. de l'écran. Euh, ben dans le fond, ce n'est euh, plus un filtre, ça nous amène vraiment sur un autre graphique. Euh, le taux de réussite par discipline, comment on a décidé de le gérer euh, au Cégep, c'est que dans certains programmes, il y a l'enjeu qu'une seule discipline, un seul cours d'une certaine discipline euh, pour la formation spécifique, donc ça venait un peu. Euh, parfois délicat là, de, de présenter. Donc, c'est vraiment, une fois le, le cheminement achevé, c'est le taux de réussite par discipline euh, pour l'ensemble des cours d'une de, même discipline. Donc, euh, donc euh, par exemple, là, dans notre programme euh, XYZ, ben, on aurait été, euh, par exemple, la discipline C, on pourrait venir voir là, le, le numéro, ben, le, le, le taux de réussite au cégep, et comparativement au réseau. Donc, ça, ça serait le taux de réussite dans cette discipline-là pour une même cohorte pour l'ensemble de son cheminement. Donc, même chose, on peut, on, peut aller, on peut aller isoler avec différentes. Puis, on pourrait mettre aussi pour le total des disciplines, notre cohorte, bien, ça s'est passé comment son, son taux de réussite euh, par discipline? Merci. Il y a de toutes petites questions. Est-ce que tu es prête à y répondre tout de suite? Oui. Il y a Dominique Trudel qui pose la question. Quelles sont les personnes qui ont accès à ce tableau de bord avec la possibilité de forer par différents éléments? Dans les dernières années, dans le fond, pour des enjeux de licence, c'était vraiment euh, ben, euh, François et moi qui produisons les, les rapports euh, euh, par BI et l'équipe de CP qui sont responsables de l'animation finalement en comité de programme ainsi que les directions adjointes. Euh, mais là, avec les changements de licence, finalement, euh, de, euh, avec de, de Microsoft Education, ben, normalement, ça va être l'ensemble de notre communauté qui va pouvoir avoir accès aux rapports qu'on va leur partager. Euh, oui, c'est ça. Dernière toute petite question. Alors, euh, bon, c'est Martine Leroy qui trouve euh, la, la présentation fort intéressante. Elle dit Je comprends que chaque CP est formé pour utiliser la base de données. Est-ce que c'est bien cela? Oui, dans le fond, euh, c'est une super bonne question, puis ça va m'amener éventuellement là, à, à la suite de ma présentation. Dans le fond, ce n'est pas toutes les CP qui ont l'expertise pour développer des données dans Power BI, mais toutes les CP ont été accompagnées finalement pour, euh, pour voir comment utiliser les tableaux de bord, pour, euh, ben, pour enrichir aussi la procédure d'analyse, puis les outils d'analyse également. Euh, puis, on s'est donné en équipe aussi une façon, une façon de faire pour un peu systématiser l'animation en, en, en laissant la couleur aussi de chaque CP, puis chaque comité de programme, mais pour éviter vraiment de trop grandes disparités là, avec des gens qui iraient très, très, très dans les, dans les très fins détails, par exemple, des données, puis d'autres qui, qui aborderaient pas du tout le sujet. Donc, on s'est donné un petit peu des balises en équipe pour, euh, pour cette animation-là, puis cette analyse. -là. Est-ce que les, les rapports qui sont générés par Power BI sont, sont imprimables? J'imagine que oui. Oui, ils sont exportables en PDF aussi. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait ça. quand on avait un, juste un certain nombre de licences? C'est qu'on envoyait à nos euh, coordinations de comités de programme les rapports en PDF. Donc, après ça aussi, bien, il y avait l'incitatif de dire, on invite notre CP au comité de programme si on veut tester nos hypothèses puis euh, bénéficier de l'interactivité de finalement là, de, de l'outil. Euh, mais c'est ça, donc oui, c'est imprimable puis euh, exportable en okay. PDF. Pour ce qui est de l'exemple pratique là, sur la conception d'un tableau de barre, on pourrait y revenir plus tard, j'imagine. Euh... Oui, puis ben, tu sais, on dirait que je ne suis pas sûre que je comprends bien la question. En fait, euh, donc euh, oui, <laughs> ben, tu sais, si la personne okay. peut peut-être ajouter certaines, certaines précisions. Apporter des précisions puis qu'elle puisse oui, mettre son nom, parce que moi, ce que je lis, c'est spectateur anonyme, alors j'ai aucune idée ah! de ce peut être aussi. Alors, <laughs> <Je> euh, spectateur <laughs> anonyme, si vous pouviez. Euh... Euh, Peut-être préciser votre question, ça serait bienvenu. Merci. Alors Après, je merci. Bien, donc là, je, je vais vous amener sur une autre euh, collecte de données finalement qu'on a fait. Puis c'est pas du tout dans le cadre de l'évaluation continue des programmes, mais ah. j'ai trouvé super intéressante euh, à vous présenter bien, du fait que c'est vraiment différent de nos tableaux de bord. Euh, et puis euh, comment dire, c'est que ça l'a aussi mené à plein d'actions super intéressantes là dans le fond. Donc je trouvais que c'est vraiment euh, vraiment intéressant. Donc euh, il y a deux ans, finalement, à l'automne 2022, il y a eu un comité programme programmes, le euh, programme technique. Euh, puis, vous le savez, là, les programmes techniques sont généralement euh, très chargés. Puis, euh, ben, on, on se replace là, dans le marasme ambiant de la semi-post-pandémie, pour nos étudiants qui avaient euh, passé plusieurs sessions à, à distance ou euh, à, euh, à distance, puis en classe et tout ça. Là, donc, euh, donc, euh, le, dans, lors de, de cette rencontre du comité de programme-là, il y a eu plusieurs profs qui ont exprimé finalement euh, leur, leur, leurs observations comme quoi ils sentaient que, que c'était difficile pour les étudiants, que l'état psychologique était fragile finalement. Donc, avec euh, certains profs qui sont rattachés au comité de programme. On a développé un outil de collecte de données, finalement, un sondage sur euh, la santé psychologique des étudiants. Évidemment, ce sondage-là, euh, en, en, en amorce de sa présentation, euh, on invite tout euh, étudiant, toute étudiante, toute étudiante qui vivrait de la détresse à consulter euh, les services psychosociaux du, du cégep. Euh, mais donc, ça, 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 a, donné, ça a donné quelque chose de super intéressant. Donc, je vous présente la première page qui est vraiment... Euh, dans le fond, le profil de nos étudiants euh, qui répondent, de, de, des personnes qui ont répondu. Donc, par exemple, euh, ça, on a eu des super hauts taux de réponse, là, puis ça se maintient jusqu'à jusqu présent. Le déploie de session en session euh, depuis l'automne 2022, puis on voit des améliorations. Puis il y, y a toujours un très haut taux de réponse, là, euh, je vous dirais, de l'ordre de 70-80 euh, Ce qui est, est pour un sondage par Omnivox, ben, en tout cas, nous, on trouve que, que, que c'est très bon. Donc, euh, on a le profil, c'est ça, de, de nos étudiants euh, en termes de leur session dans le programme. On a aussi leur, leur, leur euh, répartition euh, euh, dans le programme par, la, par session, finalement. Euh, si, 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 si les elles occupent un emploi euh, durant la session et euh, s'ils sentent qu'ils travaillent par obligation, c'était comme une question qui a été euh, ajoutée par la suite, là, qui n'était pas nécessairement dans le questionnaire initial, mais tu sais, justement, d'avoir un peu... Euh, avec tout, tout ce qu'on sait, là, justement, dans les, toute la littérature qui est sortie sur la précarité euh, étudiante euh, dans les dernières années, ben, est-ce est que nos étudiants sentent la pression, finalement, euh, de travailler pour subvenir à leurs besoins? Puis, le nombre d'heures travaillées par semaine. Ce qui est intéressant avec Power BI, ben, justement, c'est le fait qu'on peut aller isoler après ça. Session par session, c'est quoi un peu le profil justement de nos étudiants en termes d'heures travaillées, s'ils occupent un emploi et ainsi de suite. Euh, donc, je vous amène à la deuxième page finalement qui est vraiment le sondage en tant que tel. Dans le fond, c'est qu'on amenait les étudiants à se positionner sur un continuum finalement allant du total bien-être psychologique à un sentiment de détresse psychologique. Euh, puis, Qu'est-ce qui créait finalement? Qu'est-ce qu'il y avait une incidence positive sur leur état psychologique? Puis qu'est-ce qu'il y avait une incidence négative sur euh, l'état psychologique? Parce qu'on sait, dans le fond, de, des différents collectes de données, puis on, on ramassait aussi beaucoup de, beaucoup de données qualitatives avec ce, ce, ce questionnaire-là, finalement pour un peu comprendre bien, quels, sont facteurs, quels sont les facteurs de protection, quels sont les facteurs de résilience, puis quels sont les facteurs finalement qui, qui génèrent du stress. Euh, donc euh, ben ça, ça dans le fond tu sais, c'est le portrait général pour l'ensemble des étudiants du programme. Donc on voyait quand même que euh, lors de cette première collecte de données-là, là, je vous ai sorti la, la première de collecte de données, euh, tu sais, on voyait que c'était quand même euh, tu sais, assez euh, comment dire ben, c'était assez préoccupant, on trouvait. Euh, puis tu sais il y avait, les études prenaient une certaine place quand même là, dans les facteurs euh, d'influence positive. Euh, sur l'état sur, euh, sur psychologique, mais, on, mais en contrepartie, pour une très grande proportion des répondants et répondantes, euh, y, les études ajoutaient quand même du stress. Là. Euh, donc, euh, après ça, qu'est-ce qu qu'on a fait? C'est qu'on a fait une analyse finalement pour venir voir nos étudiants qui sont en session 1, puis au regard justement du cheminement prévu dans le programme, il y a, il y a des stages à certains moments, euh, ben là, on était capable de venir isoler finalement, euh, de venir repérer. C'était quoi? Euh, les étudiants qui répondaient qui avaient euh, une, une plus grande euh, fragilité, finalement, psychologique, ben tu sais, ils se trouvaient à quel moment de leur cheminement. Euh, donc, tu sais, c'était aussi de venir voir si, sur le temps, c'est toujours cette session-là finalement qui, euh, qui est la plus difficile, par exemple. Euh, puis, le cas échéant, ben, tu sais, est-ce qu'il y a des questions à se poser en comité de programme sur la charge de travail dans cette session-là, sur leur préparation vers cette session-là, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que, que, ce, que le sondage a été utilisé. Tu sais, ça l'a mené à plein de, plein de projets vraiment, euh, vraiment incroyables. Là. Euh, euh, tu sais, dans le fond, la, la CP qui accompagne le programme, elle a donné des, des formations justement sur euh, la rétroaction, la réactivation des connaissances antérieures, euh, une initiation à la pédagogie aussi, parce que c'est beaucoup des, euh, des professeurs ayant des expertises disciplinaires tu sais, qui, qui viennent sans nécessairement de. Avoir de base en pédagogie. Donc, euh, comment pouvoir faciliter ça? Puis, en fait, ça, c'était vraiment sur la base des commentaires qu'on avait eu, euh, toute l'analyse qualitative qui a été faite, finalement, des besoins des étudiants qui ont été exprimés. Il y a eu des projets qui ont, qui ont été faits euh, en collaboration avec les, les, les services psychosocial puis les services adaptés. Euh, on a vu au cours des années, finalement, bien, des années puis des sessions, une augmentation des demandes de services euh, par les étudiants de ce programme-là. Puis, une diminution, justement, au cours de, des sessions suivantes d'un de, de, malaise psychologique qui était exprimé. Donc, on avait des étudiants qui étaient en général, qui exprimaient avoir en général un, un, un meilleur état psychologique, finalement. Puis, les études ressortaient moins comme facteur, justement, de stress. Euh, justement, il y a eu des projets de réussite qui ont été mis en place avec des étudiants qui avaient échoué leur stage, leur cours, qui re reprenaient les études par la suite. Euh, donc, c'est un certain nombre de rencontres d'accompagnement, justement. Euh, il y a eu un projet avec une, une discipline aussi qui cible les étudiants après la première évaluation pour dire. Euh, on a certains étudiants qui sont euh, peut-être considérés comme vulnérables au, en dessous d'un certain seuil euh, à la, après la première évaluation. Donc, ces étudiants-là sont rencontrés en fonction de, de la rétroaction qui est faite pour vérifier ben, comment tu t'es préparé à tes études, comment, euh, à ta, à, comment tu t'es préparé à cette évaluation-là, euh, c'est quoi peu peut-être les enjeux, tout ça. Ben, les étudiants peuvent être. Euh, éventuellement aussi référé vers le, les API réussite, euh, parfois même vers les services adaptés parce que la discussion va, va faire émerger le fait que l'étudiant avait un diagnostic euh, mais qui n'a pas été nécessairement vers les services adaptés. Donc, euh, il y a eu vraiment plusieurs mesures qui ont été mises en place, puis on continue finalement de suivre leur efficacité puis leur impact euh, grâce au déploiement de, puis à l'utilisation de ces, euh, euh, ces données-là. Il y a eu aussi euh, des travaux finalement qui ont été entamés, peut-être pour offrir une grille de cheminement sur quatre ans pour ce programme-là, pour un peu déstigmatiser le fait de ne pas faire le cheminement prévu sur trois ans, puis pour laisser ch chacune des sessions euh, respirer davantage. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant ce, cet aspect-là avant que je poursuive. Euh, oui, il y a des questions. Tantôt, en ce qui concerne l'exemple pratique, là, la personne demande en fait comment remplir des données dans un tableau Power BI et après comment afficher les graphiques. Je pense que là, c'est tout un apprentissage du logiciel qu'il faut faire là, pour... Euh, oui, pour, puis je vais pour, donner ouais. des ressources à la fin. Okay. Je, moi, je ne ferai pas Parfait. la démonstration, mais je vais donner des ressources. Parfait. Il y a Julie Merci qui pose la question, est-ce qu'il est possible de faire converger des réponses à des questionnaires Forms vers Power BI? Euh, oui, parce que... Ben, euh, en Forms, dans le fond, ça nous génère un fichier Excel, puis c'est super facile après ça là, de, de venir verser ce fichier-là dans Power, Power BI pour, euh, pour faire des visuels, euh, des tables, euh, des graphiques, et ainsi de suite. Là. Ouais. Merci. Alors, ça va pour le moment. Super. Donc, oui. je continue. Oui. Euh, bon. Donc, euh, cette transition-là, finalement, vers Power BI, quels quel étaient les. Si vous souhaitez opérer une, tra une transition euh, dans votre cégep vers Power BI, dans votre service, euh, c est, c est serait, ça serait quoi les conditions gagnantes? Bien, en fait, dans un premier temps, de vraiment partir d'un besoin. Pourquoi? Parce que ça, ça vous assure d'avoir euh, l'appui des gestionnaires. Ça va vous permettre de faire des tests appliqués. Euh, puis, ça augmente aussi euh, l'engagement des personnes qui vont travailler à développer euh, la solution, puis euh, qui vont. Euh, euh, ça, qui, qui vont un peu euh, fouiller dans Power BI pour arriver au résultat qu'on souhaite. C'est également de s'appuyer sur une communauté, euh, finalement. Donc, euh, là, je, je refais un autre shout-out à Mirefstat et à François. Euh, donc, euh, tu sais, ça permet vraiment l'entraide, le partage de nouvelles idées, puis c'est vraiment plus motivant de, de savoir qu'on est plusieurs à s'intéresser euh, puis à se questionner euh, sur, euh, sur la façon de... D'utiliser cet outil-là, finalement, euh, pour répondre à, à nos besoins. C'est également d'assurer une régularité euh, dans le travail. Euh, souvent, c'est ça. Euh, nous, on collecte les données de, de l'évaluation continue des programmes à l'automne. Donc, moi, j'y traite comme une fois par année. François euh, produit les tableaux de bord euh, une fois par année. Donc, des fois, c'est comme si on ne se remet pas les mains dedans trop souvent. Des fois, euh, on est comme un peu rouillé. Donc, d'assurer d'avoir une, une régularité, mais aussi une régularité euh, dans votre parcours d'apprentissage, finalement, en ayant une plage horaire dédiée, d'être en mesure, justement, d'avoir une progression à témoigner. Euh, de mon côté, finalement, j'ai pu apprendre vraiment très rapidement la base parce qu'on avait des rencontres qui étaient dédiées euh, avec les RepStats, puis j'avais des conflits d'horaire, donc je pouvais même pas assister à toutes les rencontres, mais le fait d'avoir, tu que la prochaine fois, il faut que j'arrive, puis que j'ai fait, tu les deux modules, bien... C'était comme super euh, motivant. Puis, mais pourtant, après ça, je voulais explorer les fonctions analytiques. Je me suis bloquée des plages horaires dans mon calendrier. Je n'ai jamais été en mesure, justement, de le respecter parce qu'il y avait toujours quelque chose qui venait un peu, une urgence qui venait bumper ça, du fait que je n'avais pas à témoigner d'une progression un peu à l'externe. Donc, euh, ça serait vraiment une condition gagnante que je vous donnerais. Euh, puis, de se prévoir des moments en équipe. Euh, justement pour se ramener euh, à, à l'utilisation. Donc, euh, moi, je peux avoir bien des idées, mais ces idées-là n'auraient jamais eu euh, l'impact, puis le, comment dire, la portée euh, qu'elles peuvent avoir sans toutes les rétroactions, puis les questionnements qu'on a eus en équipe de CP. Euh, ça, leur, leur commentaire, une fois qu'ils ont fait les animations, qu'ils ont utilisé pour l'analyse, ben, ça leur permis aussi d'améliorer les outils. Ça élargit vraiment les, les perspectives aussi là, de, de travailler en équipe. Euh, Puis des fois, ça nous amène, ça nous amène ailleurs. Euh, donc, notre transition vers Power BI, ça nous a vraiment amené aussi à systématiser l'ensemble de la démarche. Donc, euh, là, je vous ai mis là, que notre cycle d'évaluation continue des programmes, ça se déroule sur six ans, hein, finalement. On collecte euh, à la fois des données perceptuelles. Donc, euh, vous avez la liste de nos outils là, qui sont prévus dans notre PIGP. On a également l'analyse de la cohérence des outils pédagogiques. Donc, c'est une analyse, justement, de la cohérence entre les le plan de cours, plan cadre, euh, euh, puis euh, la PIA, puis, puis les RDA. Finalement, ça serait que, que tout ça concorde, finalement, puis les outils d'évaluation euh, finale euh, du cours. Euh, puis, on a les tableaux de bord qui sont produits six fois, finalement, par cycle. Donc, pour chacune des, chacun des outils, vous avez le nombre de fois qui sont produits par cycle de six ans. Donc, on voit que les tableaux de bord, c'est annuellement. Notre relance au diplômé, c'est annuellement. Mais sinon, l'ensemble des, des, euh, des autres outils sont prévus une fois dans le cycle. Pour nos données perceptuelles, finalement, bien, on a développé une grille d'analyse, puis un outil de traitement des commentaires, finalement, pour être en mesure, comme je, vous dis, je vous disais plutôt de, de, de standardiser, euh, puis d'offrir un certain niveau d'analyse, une certaine harmonisation des pratiques euh, au sein de l'équipe. Euh, donc euh, en petit là, en dessous, finalement, euh, vous pouvez voir les outils complémentaires qu'on a dé développés. Donc euh, des lignes directrices d'analyse qual qualitative, un lexique, des étiquettes aussi là quand on fait de l'analyse qualitative. Euh, une fois qu'on a une, une, une unité de sens, bien, on vient apposer une étiquette finalement pour un peu dire c'est quelle thématique que ça touche. Donc, euh, tout, tout le travail d'analyse qualitative nous a permis de, de développer puis de bonifier un lexique des étiquettes finalement. Euh, on a fait pour euh, l'analyse euh, de la cohérence des outils pédagogiques, on avait développé une grille d'agrégation justement des constats. Euh, pour justement être en mesure de respecter les principes déontologiques de notre politique institutionnelle de gestion des programmes. Puis, on a développé aussi, parallèlement à ça, une procédure d'analyse de la cohérence, justement, euh, pour s'assurer qu'il euh, qu y ait une mémoire institutionnelle qui est assurée sur justement comment on déploie ça, parce que c'est euh, une opération qui est quand même euh, délicate. Là, on rentre dans l'intimité, finalement. Euh, du cours, là, en ayant accès au plan de cours, à l'évaluation finale. Donc, euh, pour s'assurer que tout le monde euh, se sent bien avec ça et que les principes sont, sont respectés, bien, justement, il faut, pour l'animation en comité de programme, euh, on regroupe l'ensemble des constats pour, euh, pour faire un peu le, le portrait d'ensemble, puis pour pas qu'il y ait euh, une personne enseignante là, qui serait, bien, un prof qui serait ciblé, finalement. Pour les tableaux de bord, on, avait aussi, on a aussi développé une grille d'analyse des tableaux de bord. Euh, on a, comme outils complémentaires, ben, on a des, des outils de documentation du contexte finalement parce que il euh, ben, y, y a beaucoup de choses qui se passent soit à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle du programme. Par exemple, des bases de préalables qu'on peut observer dans certains programmes, euh, certaines mesures d'aide, par exemple, qui seraient déployées à l'échelle locale. Puis le fait de pouvoir les documenter, justement, bien, ça permet après ça de, de mieux venir interpréter nos données, de mieux les contextualiser. Euh, puis, euh, ben, je ne vous le cacherai pas, là, dans les dernières années, il y a eu un certain roulement euh, dans l'équipe de CP. Je pense que c'était quelque chose de fréquent partout là, dans le réseau. Donc le fait d'avoir euh, des outils pour documenter le contexte, bien, ça permet... Ça permet, même si la personne n'a pas nécessairement le regard historique, euh, lorsqu'elle arrive, d'être en mesure de s'appuyer sur, euh, sur quelque chose pour, pour contextualiser. Il y a aussi tout, euh, tout ce qui est produit par le SRAM, finalement, en lien avec l'interprétation des données, euh, tout l'aspect des, des incomplets temporaires euh, COVID, finalement, euh, l'impact que ça avait sur les taux de réussite, et ainsi de suite. Bien, ça, on, on est en mesure aussi de le documenter, puis de venir à ce moment-là, euh, mieux interpréter nos données. Puis on a aussi un aide-mémoire, finalement, un outil d'accompagnement pour les tableaux de bord, pour venir expliquer nos indicateurs, pour donner des indications sur l'analyse, puis euh, un aide-mémoire pour l'animation sur les tableaux de bord. Euh, si je vais en rétrospective, finalement, qu'est-ce que Power BI, qu'est-ce que notre transition vers Power BI nous a, nous a permis? Dans le fond, aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment un prétexte de partir de Power BI pour vous partager notre expérience et nos, nos leçons apprises, finalement. Euh, qui sont l'importance de laisser une place. Euh, Lorsqu'on utilise un outil d'interprétation, ben, un outil de traitement de données, finalement, que ce soit Power BI, Excel ou tout autre outil, ben, on a tendance à vraiment focusser sur les chiffres. Mais ces chiffres-là, finalement, euh, ils mon Dieu, excusez-moi, tu euh, sais, ces chiffres-là euh, ne sont rien, finalement, si on n'est pas capable de les contextualiser, euh, s'il n'y a pas de place aux données qualitatives, puis si on n'est pas en mesure aussi de, 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 de croiser les sources pour justement avoir le portrait le plus complet de notre. Euh, de, de la situation. Je vous donne un exemple qui se base sur mon expérience au Mali. Dans le fond, quand on a fait euh, le suivi de l'implantation des nouveaux programmes, il y avait eu des, des locaux qui avaient été, euh, des laboratoires finalement, là, qui, a, qui avaient été aussi euh, mis en place dans le, dans le cadre du projet finalement, donc euh, avec des nouveaux équipements, avec euh, vraiment toute une nouvelle infrastructure. Puis en faisant le suivi de l'implantation, en déployant des questionnaires auprès des étudiants, on se rendait compte que toutes les questions qui, qui euh, concernaient les laboratoires, euh, bien, on avait des ne s'applique pas, des comme insatisfactions, tout ça, puis on ne comprenait pas finalement, mais en allant chercher justement euh, nos données qualitatives, puis en questionnant les personnes qui étaient concernées par l'utilisation des laboratoires, bien, on s'est rendu compte finalement que les professeurs qui devaient amener leurs étudiants... Au labo, il n'y avait pas nécessairement toute la formation ou leur degré d'aise. Parfois, il y avait des enjeux de juste avoir accès à la clé. Euh, parfois, c'était le matériel. Oui, les, les labos étaient prêts, mais le matériel n'était pas déjà disposé. Donc, finalement, euh, une conclusion qu'on aurait pu tirer sur la base de, de, de chiffres, c'est, par exemple, de se dire, euh, ben, OK, finalement, les profs, ils, les, les, les étudiants jugent que l'utilisation des laboratoires n'est pas satisfaisante. Mais sans la contextualiser, euh, on n'aurait pu, pas pu avoir toute, toute la vue finalement sur l'ensemble de la situation, puis sur les actions nécessaires euh, pour, euh, euh, pour, pour s'assurer de rectifier la... la euh, la situation. Donc, c'est dans le cadre de ce projet-là, ben, à la suite de ces conclusions-là, il y a eu des recommandations qui ont été faites, il y a eu des journées de formation au personnel enseignant qui ont été faites pour justement sur l'utilisation des labos, il y a eu des mécanismes justement pour euh, la réservation des locaux, pour avoir accès à la clé, il y avait un technicien en laboratoire qui a été engagé pour être disponible pour assister les profs. Donc, c'est un peu comme tout ce genre de, 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 de pistes d'action en cascade finalement qui découlent d'une bonne contextualisation de nos données. La transition vers Power BI, ça a été aussi euh, pour nous une occasion de réflexion sur euh, la structure puis nos processus. Donc, euh, vraiment, une, euh, on est vraiment dans une perspective d'amélioration continue. On est très conscient qu'il y euh, a toujours place à l'amélioration, puis on est vraiment à l'écoute, justement, des commentaires, t'sais, à la fois de, de l'équipe de CP, mais des équipes programmes programme, justement. Il y a, dans nos outils, il y a, il y a toujours une place euh, pour euh, recueillir les commentaires, justement, sur, pour améliorer nos… Nos outils, nos processus, la démarche en tant que telle. Euh, la transition vers Power BI, ça a été aussi une occasion de, de davantage valoriser nos données en outillant les équipes, justement. Il euh, y avait certaines équipes-programmes qui étaient déjà super à l'aise d'utiliser les données, mais pour certaines, c'était un petit peu moins parlant, ou pour certains CP qui, qui accompagnaient les programmes, c'était peut-être un petit peu moins parlant. Donc là, en outillant nos équipes, bien, on est vraiment en mesure de davantage valoriser nos données puis s'appuyer sur nos données. Euh, ça nous permet aussi davantage d'expliciter de, nos choix institutionnels donc euh, les données mènent à des réflexions qui mènent ensuite à des décisions donc parfois quand on revient sur des décisions puis on se dit ben là pourquoi qu'on s'est en, engagé dans, dans telle direction ben on est en mesure de dire oui ok c'est parce qu'il <laughs> qu y avait ça c'est ça, ça. Tu sais, puis après ça on peut toujours euh, on peut toujours euh, faire un pas en arrière puis revenir aux réflexions mais au moins on, on, on sort des perceptions finalement puis on se base sur des données ça a également alimenté le développement d'une culture des données. Notre plan stratégique de développement institutionnel comprend maintenant là, un, un objectif justement qui est, qui est en lien avec l'appui sur des données pour prendre des, des décisions et orienter finalement les actions. En prospective, dans le fond, au CG de Livy, qu'est-ce qu'on qu qu souhaiterait faire avec Power BI? Quel serait le prochain pas où on souhaite aller? Euh, mais c'est sûr que moi, je suis CP réussite. Donc, euh, tout l'aspect du suivi de l'efficacité des mesures d'aide, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai commencé à travailler avec euh, certains profs en littérature euh, qui travaillent au Centre d'aide en français, qui me demandent des données pour euh, différentes, euh, explorer différentes hypothèses, tout ça. Il y en a certains aussi qui ont commencé euh, on a travaillé avec euh, d'autres profs euh, euh, dans différentes disciplines qui souhaitent euh, parfois faire. Euh, euh, justement, euh, tester deux hypothèses euh, pédagogiques avec deux groupes. Euh, donc, euh, euh, on a développé des, euh, des outils finalement de, de collecte de données auprès des étudiants. Euh, c'est arrivé parfois justement qu'on des données avec euh, des professeurs euh, qui avaient des hypothèses et qui voulaient vérifier finalement si leurs impressions étaient, euh, étaient fondées. Donc, euh, c'est sûr que c'est un aspect qu'on souhaiterait vraiment euh, creuser prochainement. Euh, explorer les fonctions analytiques, euh, ça, fait, euh, ça, là, ça fait deux ans que je prévois du, des moments à mon agenda pour explorer davantage les, euh, les fonctions analytiques de Power BI. Puis euh, malheureusement, ça n'avance pas autant que je souhaiterais. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose euh, qu que je pense qui serait intéressant justement dans l'idée toujours de, de faciliter le travail des gens. Euh, puis, euh, ben, on est toujours dans une visée aussi d'amélioration continue, donc euh, continuer d'optimiser les outils, les procédés. Puis, qu'est-ce qui est à venir finalement dans l'écosystème? Euh, ben, on, on assiste euh, avec tout l'avènement de l'intelligence artificielle à une accélération des changements, différents outils qui, euh, euh, qui sont développés, différents arrimages justement entre... Euh, entre ces outils-là. Euh, il y a tout l'aspect aussi de linfo nuagique, de la gestion des données avec la loi 25 sur euh, l'accès aux renseignements personnels. Tu sais, il y a tout ça à prendre en compte, justement, euh, puis qui ne sera peut-être pas toujours évident. Donc, euh, il y a ça qui est à, à anticiper finalement euh, pour, euh, pour les prochaines années. En terminant, dans le fond, euh, j'aimerais vous rappeler euh, de modérer votre enthousiasme euh, lorsque vous commencerez dans Power BI, parce que parfois, on a le goût de présenter toutes les données parce que c'est donc bien cool, puis il y a tellement d'affaires qu'on peut vérifier, sauf que trop d'informations tout l'information. Donc, il euh, y a vraiment tout un travail tu sais, qui, est, euh, qui est tellement important, qui est fait justement par. Euh, ben là, moi, de mon côté, tu sais, c'est vraiment l'équipe de CP qui font ça, là, de justement venir. Euh, Retirer, c'est quoi les constats les plus parlants finalement? C'est quoi les constats les plus préoccupants? Comment on peut contextualiser ces, ces constats-là? Puis, euh, elles, elles, font, un, euh, elles, et elles là, font un travail incroyable justement d'épurer pour vraiment mettre de l'avant qu'est-ce qui importe, puis ce sur quoi c'est important que les équipes-programmes euh, se penchent puis réfléchissent pour, euh, euh, pour baser leurs décisions, pour améliorer la qualité du programme, puis la réussite étudiante. Maintenant, je serais rendu à vous projeter. Vous, si vous souhaitez débuter, finalement, euh, ben, je vous propose une formation là, sur euh, Microsoft Learn, finalement, que moi j'avais vraiment euh, très appréciée, qui était nettoyer, transformer puis charger des données dans Power BI. Donc, ça, ça donne vraiment la base. Il y a, il y a tout plein de modules là, dans, dans Microsoft Learn, justement, sur euh, le, le développement de tableaux de barre, le développement de l'utilisation des différents visuels et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir euh, vous, euh, vous amuser. Il y a aussi euh, mon collègue Revstat, euh, Alexandre Bio, qui nous avait fait découvrir euh, le fait que euh, LinkedIn a une plateforme, LinkedIn Learning, finalement, et qu'en ayant un compte euh, euh, avec la BANQ, on peut euh, faire gratuitement ces formations-là. Donc, euh, ça peut être une autre place pour commencer. Tout ça, c'est gratuit. C'est juste euh, vraiment prendre le temps. Puis, je vous invite à ce moment-là, si vous souhaitez débuter, ben, de vous recentrer sur quel est le besoin, justement, pour. Euh, Mettre les conditions gagnantes finalement euh, pour être en mesure de faire cette transition-là. Donc, on serait rendu euh, s'il y a des questions et des commentaires. Pardon, excuse-moi, j'avais fermé <laughs> mon micro. Il y a une question rapide tout d'abord est-ce euh, que vos serveurs Microsoft sont-ils au Canada? Ça doit, euh... j'imagine. Bien, il me semble que c'est une loi, mais là, je ne suis pas dans les... Il je... oh, faudrait que je pose la question à notre service informatique, honnêtement. là Je ne veux... veux pas... OK, parfait. Euh, donc, on va s'informer. S'il y a des gens qui connaissent la réponse, là, euh, vous pourrez peut-être... qui connaissent, euh, qui ont l'information là-dessus, merci de, de l'écrire dans le chat. Nicole, euh... si tu veux, je, je, je vais répondre. Tous les services informatiques du réseau collégial sont dans l'obligation légale d'héberger leur serveurs au Canada, donc... Euh... La réponse est oui. Parfait. Merci, et merci Jade. C'était notre technicienne Jade qui. Okay. Euh, autre question. Est-ce que quel est votre avis concernant les petits collèges alors que les données quantitatives sont peut-être moins parlantes que les données quantitatives C'est toujours, c'est vraiment toujours un défi là. T'sais, puis même nous, on a certains programmes où c'est des très petites cohortes là. Tu sais, puis on. On ne parle même pas de cohortes en dessous de 30, là, on parle de cohortes en dessous de 10. C'est toujours euh, un peu euh, délicat de, de faire parler ces données-là. Euh, mais dans le fond, justement, bon, mon conseil, ça serait de dire euh, ben, de ne pas se baser sur les pourcentages, là, parce qu'on sait qu'un étudiant va, va, va tout changer, de regarder vraiment les tendances, de croiser ça avec justement les observations qui sont faites, puis de croiser ça avec d'autres sortes de données. Euh, Peut-être un peu plus qualitative, justement, pour, euh, pour être en mesure de mieux aiguiller là, les réflexions. Parfait. Euh, maintenant, euh, à partir de quel élément ou critère là, vous avez choisi d'avoir un cycle sur six ans? J'étais pas là <laughs> lorsque okay. ça a été fait. Euh, honnêtement, là-dessus, je là j, 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 j pourrais pas vous dire que, quelles ont a, quelle a été les raisons de se fonder sur un cycle de, de six ans. J'imagine que. Tu sais, je sais que, dans le fond, ce qu'on souhaitait avec la PIGP puis l'évaluation continue, c'était justement d'être en mesure de, de prévoir des moments cycliques pour ouvrir les, les grilles, finalement, là, pour ne pas les, revoir les grilles à, à tout bout de champ puis être dans différentes actualisations de programmes en même temps. Donc, lorsque l'évaluation continue des programmes a été déployée, ça a vraiment été, il y a vraiment eu une répartition puis une réflexion qui a été faite sur quel programme est en, là, en quoi. De notre, de notre cycle de six ans, quand on savait qu'il y avait, par exemple, des, euh, des actualisations locales, tu qui étaient quand même urgentes, ben on les a mis vers les dernières années du cycle pour avoir quand même un moment pour des collectes de données, avoir l'occasion d'une collecte de données, mais aussi les projeter assez rapidement vers une ouverture de grille euh, Pour certains programmes, on sait qu'il y a des actualisations ministérielles qui s'en viennent, donc… Euh, ça a été placé stratégiquement pour essayer de faire coïncider euh, l'ouverture euh, potentielle d'une grille avec euh, l'arrivée d'un nouveau programme ministériel. Mais pour le, la raison du six ans, honnêtement, je ne peux pas aller plus loin que ça. Euh, maintenant, il y a Najoie, là euh, qui pose la question, comment sont récoltés les commentaires? Ça aussi, j'imagine que c'est un peu plus euh, technique. Là, euh... Oui, mais dans le fond, on a des outils de collecte euh, sur, micro, euh, sur euh, Omnivox puis sur Forms. Euh, donc, euh, il y a toujours des. Dans le fond, c'est qu'on a une, une agente de soutien qui va aller chercher toutes les questions qui, euh, qui ouvraient finalement sur, euh, sur des données qualitatives, sur des commentaires. On a développé un outil maison finalement dans Excel pour venir euh, placer tout, euh, tout consolider l'ensemble de ces commentaires-là pour justement être en mesure après ça de filtrer qu'est-ce que nos diplômés disent sur, euh, sur tel aspect, qu est-ce que, est que nos étudiants sont d'accord avec. Euh, ce que nos diplômés disent, qu'est-ce qu que les profs disent pour nous faire comprendre la, la situation, ainsi de suite. On peut après ça aussi filtrer euh, par session. Donc, c'est vraiment un outil qui va rassembler l'ensemble des commentaires sur le cycle de six ans, puis de l'ensemble de nos répondants. Euh, donc, après ça, c'est plus facile là, dans, dans Excel de faire des tableaux croisés dynamiques pour faire ressortir c'est quoi les étiquettes les plus importantes, donc c'est quoi les thématiques qui ressortent le plus. Est-ce que ces thématiques-là sont connotées positivement ou négativement? Euh, j'aimerais je, je, terminer en, en disant un commentaire de ta collègue ou ex-collègue Catherine Paquin-Boivin qui dit « Je suis toujours aussi fan d'Aubré. Excellent travail collègue, tu es inspirant et bravo à ton CGF de soutenir le développement et la concertation. » Avant mm -hmm. de terminer, j'aimerais que tu retournes à une diapositive parce oui. que je me suis rendu compte que tes, tes diapositives qui portent sur Power BI, on ne peut pas les voir dans le diaporama que tu m'as fait parvenir. Alors, okay. est-ce que tu pourrais retourner à la diapositive tableau exemple 1, tableau de bord programme, parce que je vais, la, je vais la, en faire une euh, copie d'écran. Je l'ai fait pour les mm -hmm. deux autres. Pour que je puisse ensuite la placer mm -hmm. là, dans, euh, exemple, dans euh, pour est... euh, la, la première euh, recul, mm -hmm. celle-là. Si tu veux placer. Je la mets dans le total, oui. Un... Oui, ouais, parfait. Alors, je vais me faire une copie d'écran. Mm -hmm. Entre-temps, ben merci tout le monde pour votre très belle participation. C'était euh, vraiment euh, très enrichissant. Je crois que de, si je regarde les commentaires, je crois que je ne suis pas la seule à avoir apprécié la qualité de la présentation euh, d'Audrey. Alors, merci et euh, mm. je vous affirme, entre autres, les remerciements qui ont été adressés euh, à Audrey sous peu, de même que la présentation qui a, utilisé, qui a été utilisée par Audrey. Alors, à la prochaine, Audrey, et on se dit euh, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci.